On va commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette table ronde qui s'intitule donc De la réussite scolaire à l'emploi, de quoi je me mêle, et qui abordera deux sujets un peu différents mais tout à fait connexes, qui sont les dispositifs d'aide à la réussite scolaire en médiathèque, en particulier d'aide aux devoirs et aux révisions, et les dispositifs pour l'aide à l'orientation professionnelle des usagers. Donc, seront avec nous Agnès de Toffoli, à ma gauche, qui est la directrice de la médiathèque ludothèque de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. À ma droite, Florence Schreiber, qui est responsable des partenariats sur le réseau Pleine Commune en Seine-Saint-Denis. On aura aussi Johan Bourion, qui est avec nous en visio, qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui apparaîtra juste après quand il prendra la parole, et qui est donc directeur des médiathèques, enfin, des bibliothèques de Bordeaux. Le voilà. Et Agathe Kalfala, donc, qui est responsable de formation à la revue Lecture Jeunesse. Et qui, alors, si les trois premiers intervenants présenteront essentiellement les dispositifs qui ont été mis en place dans leurs équipements, Agathe apportera un point de vue un peu plus macro, un peu plus général pour élargir la discussion. Donc, pour le dérouler, bon, à titre indicatif, donc un premier mot introductif de ma part. Ensuite, chaque participant présentera les dispositifs et les travaux donc de sa structure, de leur structure. On a prévu 10 minutes chacun, évidemment, ce sera sûrement un petit peu plus long. Après, il y aura un temps de discussion entre les intervenants. Et pour finir, les questions donc, du public, des réactions, donc, pour réagir, nuancer, pourquoi pas partager aussi des expériences qui ont pu être menées dans vos propres médiathèques. Donc cette table ronde, elle a une problématique, se demande dans quelle mesure les médiathèques peuvent contribuer à la réussite scolaire et à l'orientation. Donc, c'est un lieu commun. Nous savons que les médiathèques sont un centre de ressources et de services pour les usagers. On se pose quand même la question de savoir si les médiathécaires peuvent être compétents en cette matière. Je pense que oui, je pense qu'ils peuvent faire appel à des partenaires, mais la question se pose encore une fois de savoir dans quelle mesure. Cette médiathèque, cette table ronde, elle part aussi d'un constat, une situation un petit peu paradoxale, qui est que les publics jeunes, on le sait, sont vraiment au cœur des activités de lecture publique. C'est des publics importants en nombre, fait beaucoup de choses pour eux, notamment des accueils de classe. Cependant, si on regarde cette thématique de l'aide à la réussite scolaire, de l'orientation, on pourrait dire aussi des accueils de classe. La littérature à ce sujet est très peu développée. Nous n'avons pas pu trouver d'ouvrages de synthèse, par exemple, qui feraient le tour des dispositifs qui existent en France. Il n'existe pas de grande synthèse. Bon, là, je critique, je fais aucune critique, hein, bien sûr, mais pour continuer, on voit que, par exemple, à l'ABF, il y a bien sûr une commission jeunesse, mais que ces thématiques n'apparaissent pas directement. Moi-même, je suis élève, j'ai oublié de me présenter, je suis élève conservateur à l'INET. On a abordé beaucoup de choses pendant la formation, mais ces thématiques-là, par exemple, n'ont pas été abordées. Et quand les médiathèques s'organisent en réseau, on met souvent en avant le prêt entre bibliothèques, le logiciel commun, mais là encore, ces thématiques ne sont pas forcément celles qui arrivent en premier lieu, alors même, comme je disais, que les publics jeunes sont un public très important et que ces questions-là sont fondamentales pour ces publics. Mais bon, cependant, cette absence d'un cadre commun unifié n'empêche pas qu'il existe maintenant un peu partout des initiatives qui se sont mises en place, et ce que nous allons donc voir avec nos intervenants. Et donc, je vais voilà, donner la parole à Agnès pour la première intervention. Bonjour à toutes et à tous et merci Pierre-Antoine pour cette introduction. Je vais donc essayer de participer humblement à la réflexion sur ce sujet qui pique en vous présentant une des actions de réussite éducative que nous avons mises en œuvre à la médiathèque ludothèque Bernard-Ivan à Bonneuil-sur-Marne en direction des lycéens. Mais avant de vous décrire plus en détail cette action, il me semblait important de la replacer dans son contexte et notamment dans son contexte territorial. Donc, la médiathèque Ludothèque fait partie depuis 2017 du réseau de lecteurs publics de Grand Paris Sud-Est Avenir, qui est un des 12 territoires du Grand Paris. Ce réseau comprend 19 équipements, médiathèques, bibliothèques, ludothèques et 2 médiabus qui sont donc répartis sur 16 communes. La médiathèque Ludothèque, de par sa superficie, le volume de ses collections, son nombre de professionnels également, est un des équipements structurants de ce réseau.
La médiathèque a 22 ans, elle a été ouverte au public en 2000 et elle est avant tout le fruit d'une volonté municipale d'offrir à la population benoïoise un outil d'émancipation culturelle et sociale. Ce qui explique, outre on va dire la richesse à l'époque de la ville, son nombre de professionnels. Nous sommes actuellement, il y a actuellement 24 professionnels à la médiathèque, enfin professionnels pardon, à la médiathèque, mais il y en avait à l'époque 24. C'est 2300 m² dédiés au public, son espace public numérique ouvert dès 2000, pour une ville qui à l'époque atteignait à peine les 15 000 habitants. Et dont 70% des quartiers étaient en QPV, donc en quartier prioritaire de la ville. En 2009, elle devient médiathèque ludothèque, avec le rattachement de la ludothèque municipale qui faisait partie auparavant du service enfance, un équipement donc d'environ 200 m² au public, avec 6 professionnels ludothécaires pour la faire fonctionner. Désormais, la population de Bonneuil atteint les 18 000 habitants, mais elle ne possède plus qu'un seul quartier prioritaire de la ville. Non pas que la population ait fortement changé, mais simplement parce que les critères d'attribution de la géographie prioritaire de la ville ont été réformés en 2015 à la défaveur des villes qui ne parquaient pas leur population pauvre dans un seul quartier et qui prenaient la mixité sociale par quartier. Voilà, et je crois qu'ils les ont perdus à raison de 100 euros sur l'année, pour vous dire. Donc, la population de Bonneuil est particulièrement jeune. Les moins de 24 ans sont assez nombreux sur cette ville. Les populations issues de l'immigration sont également surreprésentées. Le taux de ces populations atteint 24% à Bonneuil, contre un taux national de 9,6% et sur l'Île-de-France de 19,5%. Les familles monoparentales sont extrêmement importantes également sur la ville, puisque une famille sur trois qui habite la ville de Bonneuil est une famille monoparentale. Les personnes en recherche d'emploi sont également surreprésentées. Le taux est de 13,1% de la population, voire 30% de population en recherche d'emploi dans certains quartiers. C'est une ville qui est constituée à 68% d'ouvriers et d'employés. Et le nombre de diplômés du supérieur, à savoir Bac plus 2, est inférieur et bien inférieur à la moyenne nationale, puisque nous atteignons péniblement les 22,3% de diplômés, contre un taux national de 30,2%, voire de 42,6% en Île-de-France. Enfin, le taux de pauvreté par habitant est bien plus élevé que la moyenne nationale. Il atteint 22% à Bonneuil contre 15% sur la métropole et 15% sur la région Île-de-France. C'est donc dans ce contexte démographique, que l'action éducative a été développée à la médiathèque Bernard Ivan. Donc d'abord, comme dans beaucoup de bibliothèques, ce développement est passé par les accueils de scolaires, avec quand même un fort impact sur la ville de Bonneuil, puisque 89% des élèves sont accueillis par les équipes de la médiathèque ludothèque, dont 100% des maternelles. Ces actions de réussite éducative, se sont aussi développées par la mise en place d'un accès facilité et d'une offre de services en direction des enseignants, carte collectivité, collection spécialisée, je ne m'étendrai pas là-dessus puisque de nombreux collègues font la même chose. Et elle s'est concrétisée également dans le cadre de son inscription dans le projet, dans le PEDT, dans le projet éducatif local qui depuis est devenu un projet éducatif territorial, avec la mise en œuvre et le développement de ce que nous avons appelé réussite au lycée, qui est donc un dispositif d'aide aux devoirs en direction des lycéens. Et ça, nous l'avons mis en place à partir de 2010. Et aujourd'hui, on participe à une autre action de réussite éducative en partenariat avec le service enfance sur un nouveau dispositif de soutien et d'accompagnement éducatif
municipale. Ce dispositif est en direction en fait des élèves qui ont été frappés par les effets de la pandémie, puisque à Bonneuil, c'est assez au niveau des scolaires, c'est assez dramatique. Donc ce dispositif s'intitule Coup de pouce réussite et il s'adresse aux élèves de CE2, CM1, CM2 qui bénéficient tout au long de l'année scolaire d'ateliers éducatifs et apprenants tous les mercredis matins et pendant les vacances scolaires. Une partie des ateliers sont dirigés par des enseignants volontaires et rémunérés sur les matières de base, hein, le français et les mathématiques. Et les autres ateliers sont dirigés par des agents municipaux ou territoriaux sur le numérique, la lecture et les arts. Il faut dire qu'à Bonneuil, nous possédons également un centre d'art municipal. Donc, ce dispositif d'accompagnement scolaire en direction des lycéens, il s'inscrit également dans tout un écosystème. Il s'inscrit au même titre que d'autres actions dans le développement du champ, des actions du champ de la réussite éducative et sociale de la médiathèque. Sont aussi proposés, comme vous pouvez le voir sur le slide, des ateliers de conversation, des accueils sociolinguistiques, des ateliers numériques, les ateliers et les stages coup de pouce réussite dont je viens de parler. Nous avons également, en 2019, créé un poste dédié à l'insertion sociale et professionnelle et à la réussite éducative. Et depuis 2021, nous avons un conseiller numérique qui lui-même va être en interface à partir de septembre avec un médiateur de l'emploi dans le cadre de dispositifs de la Cité de l'Emploi qui sera présent un jour par semaine à la médiathèque pour repérer les personnes en difficulté d'insertion professionnelle et les orienter, les aiguiller vers les bons interlocuteurs. Cette action de réussite éducative, elle est également, dans le cadre du projet éducatif local, complémentaire d'autres dispositifs municipaux. Hein, donc, elle agit à côté de ces dispositifs, comme le PRE, hein, le projet de réussite éducatif, le CLAS. Le CLAS, c'est le... je ne me rappelle plus. Non, c'est pas ça. c'est d'action. Un trou quand ça me reviendra. Le contrat local, voilà, d'accompagnement à la scolarité. Je l'ai retrouvé, voilà. Donc le coup de pouce réussi dont je viens de vous parler, et également un contrat municipal étudiant qui permet en fait à des étudiants d'être rémunérés. Dans le cadre d'un engagement citoyen et de quelques missions d'intérêt général. Voilà. Et puis, cette action de réussite éducative, elle est également en lien avec de l'événementiel fléché en direction d'un public cible à laquelle nous participons, notamment, hein, je l'ai mis sur le slide, le forum de l'emploi ou le forum de l'orientation. Alors, à l'origine du projet, il y a bien sûr des orientations municipales, des orientations politiques. Hein. Lutter contre la précarité des étudiants, garantir l'égalité des chances et de la réussite des jeunes, favoriser la formation et l'insertion professionnelle. Mais elle a aussi pour origine de la démocratie participative. En 2009, la municipalité a organisé des rencontres pour la jeunesse. Et à l'occasion de ces rencontres, la jeunesse bonneuilloise a fait part de ses besoins en matière de soutien scolaire pour la tranche d'âge des lycéens. Et la municipalité s'est engagée à répondre à ce besoin. Comme la médiathèque était déjà identifiée comme un lieu de ressources et de formation, un lieu où l'on pouvait étudier et travailler sur place, il a été entendu que c'est elle qui mettrait en œuvre ce nouveau dispositif d'accompagnement scolaire. Et puis, de toute façon, il était vrai aussi que les collègues de la médiathèque étaient déjà beaucoup sollicités pour de l'aide aux devoirs par les jeunes bonneuillois. Alors... ce dispositif donc, que nous avons intitulé « Réussis ton lycée »
à plusieurs objectifs. Il s'agit, comme je l'ai déjà dit, d'élaborer un dispositif d'accompagnement municipal complémentaire aux autres dispositifs, puisque jusqu'à sa création, rien n'existait en direction de la tranche d'âge composée par les lycéens. Il s'agit également de lutter contre la précarité étudiante en favorisant le tutorat et en permettant à des jeunes étudiants bonneuillois d'avoir un petit boulot sur des horaires raisonnables et relativement bien rémunérés par rapport aux autres jobs qu'ils auraient pu trouver. Et puis enfin pour la médiathèque, ça la conforte bien sûr dans son rôle de lieu ressource et de formation. Et c'est aussi un outil pour renforcer le lien social entre les étudiants, les lycéens et les bibliothécaires. Une des spécificités de ce projet est qu'il est intégré au contrat ville et donc qu'il bénéficie d'une subvention politique de la ville. Donc chaque année, nous répondons à un appel à projet. Alors actuellement, il s'agit un peu plutôt d'un renouvellement du projet. Et bien sûr, nous devons fournir à chaque fois une évaluation, un bilan de ce dispositif. Alors, concrètement, cette action, c'est quoi ? Bien, c'est un service d'accompagnement qui, pour les lycéens qui est sur l'année scolaire. Il a été, quelques années après, complété par un autre dispositif que beaucoup connaissent, Révision Bac, donc sur 15 jours, avec des amplitudes horaires importantes. Et puis surtout, c'est avant tout une approche spontanée de l'aide au devoir. C'est-à-dire que c'est une aide individuelle et une aide ponctuelle. Hein, il n'y a pas forcément de suivi comme sur les autres, dispositifs de réussite éducative. Les bénéficiaires, eux, ils sont doubles. Hein, à la fois, bien sûr, les étudiants. Les lycéens, pardon. Il y a également quelques étudiants et quelques élèves de troisième, mais aussi et surtout, les étudiants qui sont recrutés et rémunérés. Hein. C'est aussi ce double objectif, hein, étudiant-lycéen, qui a permis que ce dispositif, à l'origine, soit subventionné à hauteur de 45% des dépenses de la ville. Les étudiants sont recrutés au niveau Bac plus 3 et choisis selon leurs compétences pédagogiques et leur parcours universitaire. Hein, ils sont il nous faut un profil filière littéraire, filière scientifique et filière économique et sociale. Et nous avons donc également un médiathécaire chargé de l'insertion sociale et professionnelle et de la réussite éducative qui est chargé du suivi de ce dispositif et qui encadre ces trois étudiants. Donc le dispositif a lieu, comme je vous l'ai dit, sur l'année scolaire, du mois d'octobre au mois de juin, toutes les semaines, à raison d'une session le mercredi et le samedi après-midi, de 3 à 4 heures. Et ce service est donc complété ensuite par l'organisation de révision bac, qui lui a lieu du lundi au samedi, de 10h à 19h, sur 15 jours. Le financement du dispositif, bien que nous soyons passés sur le territoire, est resté municipal. Et il porte principalement sur le salaire des vacataires étudiants et sur la communication. La subvention est versée sur les crédits de la politique de la ville par l'Agence nationale de la cohésion sociale. Et cette subvention, qui donc à l'origine était de 45%, ne couvre maintenant que plus que 28% des dépenses du fait du resserrement de la géographie prioritaire de la ville. Donc, outre la communication papier et numérique, nous essayons que ce dispositif soit aussi porté par des relais institutionnels, notamment l'institution de l'éducation nationale, donc par les CPE, les proviseurs, les principales, les documentalistes, mais aussi par certains services municipaux, comme notamment le PIJ et le service jeunesse. Et nous faisons la promotion de ce dispositif lors d'événementiels, comme par exemple la soirée de remise des diplômes qui est organisée une fois par an par le service jeunesse. Nous pouvons venir avec les étudiants vacataires présenter ce dispositif.
Donc, pour pouvoir dresser chaque année un bilan de l'action, il a bien fallu mettre quelques indicateurs, principalement des indicateurs de fréquentation. Hein, combien de personnes, combien de jeunes sont soutenus dans leurs demandes hebdomadairement, mais aussi quel est leur profil, lieu de résidence, lieu de scolarisation, niveau d'études. Et puis, nous avons également des statistiques sur les matières demandées. En termes d'aide aux devoirs. Nous avons également mis en place un questionnaire de satisfaction. Il s'avère que les jeunes qui se sont emparés du dispositif sont globalement satisfaits de la proposition. Pour autant, le bilan, après 10 ans de fonctionnement, est plutôt en demi-teinte. Car s'il est vrai que nous atteignons les objectifs que nous étions fixés à l'origine, à savoir une vingtaine de jeunes aidés hebdomadairement, nous nous rendons bien compte que nous avons beaucoup de mal à aller au-delà de ce chiffre, malgré toute la communication et les relais que nous avons essayé de mettre en place. Et puis, il est vrai qu'à l'origine, cette demande émanait plutôt des lycéens qui étaient dans les filières professionnelles. Et très vite, nous nous sommes aperçus qu'en fait, ce sont les étudiants, les lycéens de filières générales qui se sont emparés du dispositif, et plus particulièrement les étudiants qui étaient dans les filières scientifiques. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment atteint l'objectif de départ. Les perspectives, eh bien, elles sont déjà à court terme, hein, avec la réforme du baccalauréat. Donc là, maintenant, à partir du mois de février de l'année scolaire, nous avons mis en place également sur rendez-vous une préparation au grand oral, puisque c'est aussi l'oralité, c'est quand même une grande difficulté, hein, dans ces quartiers-là. Et puis, dans le cadre de la co-construction d'un nouveau projet éducatif territorial sur la ville, nous allons remettre en place ce dispositif et le co-construire avec tous les partenaires, tous les personnels qui sont engagés de près ou de loin dans ces missions de réussite éducative. Voilà pour cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que je n'ai pas trop dépassé le temps. Maintenant, c'est Florence qui va intervenir donc pour Pleine Commune. Bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà, ça c'est nous. Ensuite, je vais faire moi-même, ouais, ça sera plus simple. Donc, c'est de là dont je parle. Je parle depuis un territoire parmi les plus riches. Riche de sa jeunesse, puisque nous sommes en France métropolitaine, le département le plus riche en jeunes de France. Territoire le plus riche des compétences de ses habitants, parce que les gens sont venus de partout en Seine-Saint-Denis et de partout à Pleine Commune, et donc ils ont acquis forcément, pour être là où ils sont, beaucoup de compétences, parce que quand on vient du bout du monde, souvent dans des positions extrêmement contraintes, on apprend beaucoup de choses, et du coup on a beaucoup de choses à partager. Un territoire très riche de ses langues, puisqu'on a l'habitude de dire à Pleine Commune qu'il y a 134 nationalités, donc presque autant de langues. Donc évidemment, une population qui a beaucoup de choses, là aussi, à partager d'histoire, de culture. Alors évidemment, on est parfois dans un paradoxe. Un paradoxe comme celui que décrit Fellag, peut-être vous connaissez cet humoriste algérien qui disait de son père, ce polyglotte analphabète. Donc on a aussi ça, c'est-à-dire cette césure au niveau de multiples compétences et une vraie difficulté à vivre et à s'adapter à la vie et à construire sa vie quand on est un habitant de Pleine Commune. Alors, s'il faut que je fasse deux choses en même temps, ça va être très compliqué. Non mais ça va aller. Donc, pour notre réseau, ça veut dire des outils qui ont été construits depuis notamment 20 ans dans un projet politique ambitieux de construction de mètres carrés, de montée en compétences des professionnels, de propositions documentaires avec des lieux, donc 21 médiathèques aujourd'hui, un bibliobus, des livres-services, accessibles gratuitement. On a parlé de ça hier, l'accessibilité inconditionnelle des habitants de ce territoire, mais de ceux qui décident d'y passer
ponctuellement ou de manière plus affirmée, plus pérenne, donc accessibilité gratuite, et aujourd'hui une réflexion qui, pour améliorer cette accessibilité, passe en débat, vous l'imaginez bien, des évolutions dans les horaires, avec depuis l'année dernière une ouverture le dimanche entre septembre et le mois de mai. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de nous faire notre autopromotion avec l'arrivée de notre dernière née sur le territoire, la médiathèque Annie Ernaux, qui est déjà en termes de nom une sorte d'affirmation. Et en termes de projet, on commence à toucher à la question éducative avec des propositions qui, avec le tout public, peuvent être un peu différentes de ce qu'on voit habituellement en médiathèque. Des collections, certes, mais aussi des espaces comme une cuisine pédagogique ou des espaces d'atelier, parce que ça permet aussi, et ça fait partie aussi d'une démarche éducative, de permettre aux gens de co-construire, de co-élaborer, de co-partager des savoir-faire, notamment du point de vue du numérique. Mais je ne m'étendrai pas, puisque là, on est plutôt en direction peut-être de ce qui va être l'action éducative à proprement parler. Alors, cette action éducative, comment elle s'incarne ? Elle s'incarne déjà dans des choix budgétaires en termes de collection. Repartons de nos fondamentaux, comme on dit, ou du cœur de métier, pour employer un terme sur lequel j'ironise volontiers. Donc, un budget parascolaire, acheter des collections qui sont renouvelées autour des différentes productions éditoriales sur le parascolaire. Les plus anciens d'entre nous se souviennent que ce n'est pas une évidence en bibliothèque publique. Pendant très longtemps, acheter des annales de bac, ça paraissait être un compromis insupportable avec l'éducation nationale. Donc, nous, on est plus à ce niveau-là, ça fait un moment que ça c'est derrière nous, et donc il y a un budget réaffirmé tous les ans pour acheter des documents parascolaires, et par exemple également des séries collèges ou des séries en direction des écoles élémentaires. Alors les séries, vous savez, c'est un titre en X exemplaires, 10 au moins, 30 au plus, pour nourrir le projet pédagogique de l'enseignant. Alors, à titre personnel, j'ai été longtemps assez opposée à cette idée des séries, des achats de séries. Et évidemment, j'ai changé d'opinion parce que là, c'est un service que l'on rend. C'est aussi le positionnement social de nos médiathèques. Quand on permet à tous les enfants d'une classe d'avoir un ouvrage en bon état, qui est du bon éditeur, parce que c'est aussi le problème du prof pour pouvoir faire le suivi. Et aussi, là, on rejoint dans notre stratégie éducative l'idée qu'aussi on a un message à faire passer en direction des enseignants en faisant des propositions d'acquisition sur peut-être des titres dont ils n'ont pas eu l'idée. Parce que l'action éducative, c'est aussi intervenir en direction des professionnels qui entourent les enfants. Il y a aussi une autre forme d'acquisition qui sont ce qu'on appelle les mâles, qui sont plutôt des mâles à thème. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais par exemple, c'est des mâles aussi qui sont élaborés à l'écoute des enseignants. Quand 10 fois dans l'année, on a rassemblé un certain nombre de livres dans nos 21 équipements autour des émotions, on se dit que peut-être on peut constituer des mâles mutualisés, puisque notre réseau est intégrés et les acquisitions sont mutualisées. Donc on a un dispositif qui nous permet aussi d'acheter et de faire circuler sur l'ensemble du réseau, en particulier, pas que ça, mais ces fameuses malles. Et donc on se dit que c'est intéressant d'acheter en plusieurs exemplaires des livres qui vont intéresser les enseignants parce que c'est en relation avec leur programme ou leurs objectifs pédagogiques. Pour ce faire, il faut des outils qui permettent de faire ces emprunts, donc une carte collectivité, ce qui est aussi le cas chez nos collègues à Bonneuil, qui permet d'emprunter pour 3 mois, donc 50 documents, donc un taux plus important de prêt, puisque c'est 30 documents pour un mois pour les cartes individuelles. Et donc, c'est la possibilité d'avoir un outillage pour les enseignants. Et c'est un envoi qu'on leur fait, un signe qu'on leur donne, que, évidemment, leur démarche d'emprunt est la bienvenue. Et pour simplifier, j'ai mis là 2000 actions pour les classes en 2018-2019. Vous comprenez pourquoi je suis remontée un peu, j'ai remonté un peu le fleuve, parce que les 2 dernières années, c'était un peu moins vrai en termes de nombre d'actions classes. Néanmoins, l'année dernière, on est arrivé en compilant des actions classes, des actions centres de loisirs, du parascolaire, à se dire qu'on avait réalisé plus de 1300 actions en direction des groupes, puisque là, pour simplifier, je suis beaucoup sur l'axe classe, mais l'action éducative, c'est aussi une action en direction de groupes qui ne sont pas que des classes. Même si nous pensons que les classes, c'est important, jusqu'à la fin du collège notamment,
pas que, mais jusqu'à la fin du collège notamment, puisque c'est là que sont tous les enfants, malgré tout. Peu d'enfants chez nous sont instruits à la maison, donc c'est là où sont les enfants. Donc si on veut établir une relation avec les enfants et avec leur famille, c'est en recevant des classes, et y compris lorsqu'on fait une visite dans l'année et qu'on décide de formaliser cette visite autour d'une proposition qui se concrétise dans cette enveloppe et qui permet d'envoyer un message aux familles et de proposer aux enfants de revenir avec la famille, avec la fratrie. Donc ça, c'est une action que moi je qualifie plutôt d'accueil, qui permet d'envoyer ce message en direction des familles. Et puis il y a les actions à proprement parler, qui sont plus construites, ou des contenus, que ça soit d'ailleurs autour des livres, mais aussi autour de la musique, autour du cinéma, avec le numérique, qui sont aussi des fois des temps de co-élaboration avec le groupe classe, par exemple, qui prennent des formes très diversifiées. Donc là, ce sont des actions qui sont préparées. On essaye d'ailleurs qu'à l'échelle de notre réseau, elle soit mutualisée entre les bibliothécaires, avec un système de circulation d'informations qui permet qu'on ne réinvente pas tout le temps l'action à proposer. Mais il y a donc des actions, des accueils qui sont participantes à cette idée de l'action éducative et qui s'adressent donc aux enfants eux-mêmes que l'on reçoit, à travers eux, aux enseignants qui les accompagnent et parfois même aux parents qui les accompagnent. Donc on est dans une stratégie, c'est-à-dire que l'action éducative, c'est bien une stratégie qui s'adresse à différents moments, aux différents publics que l'on reçoit à ce moment-là. Il y a évidemment des stratégies qui s'adresse à des individus, et c'est pour ça que j'ai mis là les stagiaires de 3e, qui sont une orientation forte de notre réseau et qui envoient le message que les bibliothèques sont aussi des lieux de construction de son futur professionnel, et établir une sorte de lien avec ces jeunes gens qui viennent et qui sont reçus dans un cadre formalisé et organisé, avec des tuteurs et des tutrices, avec des projets et un programme, dans lequel d'ailleurs ils peuvent nous faire part de leur propre vision de la bibliothèque, et ça devient aussi indirectement des formes d'ambassadeurs vis-à-vis de leurs camarades de classe et de leur famille. Donc, vous voyez, l'action éducative, c'est aussi une relation avec, évidemment, des contenus, mais aussi avec des lieux. Alors, cette action éducative à l'échelle de notre réseau, chaque équipe, évidemment, construit dans son environnement les différents types d'actions qui leur paraît pertinents, mais on a des axes, c'est l'intérêt d'être en réseau aussi, des axes forts qui disent aussi quelque chose de nos problématiques éducatives. Le premier axe, c'est les expositions d'illustrations qui sont construites avec le Salon du Livre de Jeunesse autour de créateurs contemporains, d'auteurs et d'illustrateurs, beaucoup d'illustrateurs évidemment, puisque ce sont des expositions qui gardent l'objectif, avec des dispositifs assez ludiques, de regarder aussi la production du livre de jeunesse comme étant le premier musée, très souvent, ou la première façon d'aborder l'art contemporain, par exemple, en direction des enfants, mais aussi de ceux qui les accompagnent. Par exemple, depuis quelques années, on est beaucoup autour de propositions qui peuvent concerner la petite enfance, donc aussi ceux qui accompagnent, les puéricultrices, les assistantes maternelles, les enseignants de maternelle, qui ont besoin de renouveler aussi leur logiciel de connaissance de la création contemporaine et du livre d'aujourd'hui. Alors, c'est en termes professionnels, puisqu'on se pose la question depuis 2 jours à savoir à quoi vont servir les bibliothécaires, les bibliothécaires, ils peuvent aussi s'impliquer dans ces questions de médiation. Et par exemple, là, je vous ai amené 2 guides de médiation qui sont, dans la construction de ces expositions, la part importante de l'équipe des bibliothèques, puisqu'il y a un groupe de bibliothécaires qui est associé à la réalisation de ces expositions et qui crée, avec le salon, avec l'artiste le plus souvent, un guide de médiation pour s'adresser aux enfants, tout seuls, pas tout seuls, avec leur famille, avec leur classe, mais aussi aux professionnels qui les environnent, puisque c'est donc, comme vous l'avez compris, aussi un credo de notre notion d'action éducative. Ça, c'était une autre exposition avec Joël Jolivet. Autre élément phare de notre orientation, c'est le programme Égalité,
qui est donc un programme qui existe depuis pas mal d'années. Il y a 10 ans, nous avions eu l'honneur de recevoir le prix Livre Hebdo de l'animation, donc ça fait 10 ans. Donc ça montre que c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps, et c'était aussi le résultat déjà d'une préoccupation antérieure. Évidemment, la forme de ces actions en direction des groupes classes ou des groupes périscolaires évolue chaque année. Ça peut prendre l'objet de débats, de discussions, de spectacles, du conte. Enfin, il y a toutes sortes de formes qui permettent de travailler ces questions d'égalité filles-garçons. Et de manière très bibliothèque, je dirais, la possibilité, là aussi, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur les mâles, d'établir des propositions de choix de livres pour discuter et débattre de ces questions. Donc là, je vous ai amené des livrets qui reprend les 3 tranches d'âge, enfin, scolaires. Là, on est vraiment collé un peu à l'organisation scolaire, parce que c'est aussi les enseignants qui sont nos principaux utilisateurs de ces mâles, même si on pense aussi aux animateurs, aux animatrices des établissements de centres de loisirs. Mais c'est beaucoup ce public-là qui s'intéresse à nos propositions. Vous savez aussi que ça fait partie des programmes, même si je dois dire que nous avions anticipé, puisque avant que ça ne soit dans les programmes, on avait déjà commencé à travailler sur ces questions. Mais ça veut dire qu'il y avait vraiment un vrai besoin sur ces questions-là. Évidemment, et les débats d'hier l'ont prouvé, la nécessité de trouver dans les médiathèques et d'accompagner cette notion que j'ai beaucoup aimée hier matin de terrain d'entente et de terrain de débat, ces nécessités d'avoir des espaces de débat et en même temps de propositions pour se construire sa vision de citoyen. Donc aujourd'hui, on travaille de manière diversifiée à l'éducation, aux médias et à l'information, et notamment c'est l'occasion de s'emparer des questions du numérique d'une autre façon, et d'associer de manière de plus en plus large l'ensemble des collègues à ce dispositif d'action éducative. L'action éducative, ce n'est pas uniquement l'affaire des sections jeunesse, c'est l'affaire de toutes les équipes. C'est pour ça que j'ai parlé d'accueil aussi, et d'accueil inconditionnel, y compris des groupes, parce que ça peut permettre d'associer à certains moments d'autres collègues. Et sur les actions de EMI, c'est aussi une façon de réutiliser d'une autre façon, notamment les compétences des collègues qui ont des charges de travail sur la question du numérique. Et j'ai fini par le patrimoine sur cette liste, parce que c'est la particularité, on a un fonds patrimonial très très intéressant situé essentiellement à Saint-Denis. Donc on a utilisé nos fonds commémoration de la Commune de Paris, parce qu'on a un fonds extraordinaire autour de la Commune de Paris, donc l'année dernière on l'a utilisé. Mais pour faire le lien avec ce que je disais précédemment sur l'éducation aux médias, on a des collègues qui ont élaboré des propositions autour de la production presse du 19e siècle, qui du point de vue des fake news, a absolument rien à envier à Internet. Donc c'est intéressant aussi parce que ça envoie le message, par exemple, aux jeunes publics qui ne sont pas, eux, jeunes, particulièrement victimes ou producteurs de fake news, et que c'est une vieille histoire, la fake news, soit de manière volontaire, la propagande, etc., la manipulation, mais aussi parce que la rumeur, ça a toujours été quelque chose qui a existé dans la presse. Donc utiliser les vieux livres ou les vieux journaux pour parler de problèmes d'aujourd'hui, c'est aussi une façon intéressante de produire de l'éducation et de produire de l'accompagnement à l'éducation, y compris avec donc des fonds patrimoniaux. Alors ça, c'était juste un petit clin d'œil pour dire que on a souvent tendance à parler de partenariat avec l'éducation nationale. Alors, moi je suis responsable des partenariats, donc ça, c'est pour ça que ça fait partie de ma musette, et je dis tout le temps, on ne fait pas de partenariat avec l'éducation nationale. On fait des partenariats avec des associations qui nous aident, par exemple, sur les propositions d'aide aux devoirs. Mais l'éducation nationale, c'est rarement, ah bah c'est sympa ça. C'est parce que je dis du mal de l'éducation nationale qu'on se retrouve dans le noir. Est-ce qu'il y a des agents de l'éducation nationale? Sortez de ce corps, s'il vous plaît. Ça ne va pas du tout. Donc il y a peu de partenariats avec l'éducation nationale, il y en a un peu à la marge, hein, faut être tout à fait honnête, mais on co-construit pas avec l'éducation nationale, on est force de proposition pour accueillir, pour faire des actions, on essaye d'être un peu, et on l'est pas toujours assez, à l'écoute de leurs propres obligations, de leurs propres programmes, ça oui bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'on co-construit, c'est qu'on est à plusieurs, au moins à 2 autour d'une table, et qu'on met dans la corbeille un certain nombre d'éléments. En général, l'éducation nationale utilise ce que l'on propose. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Je trouve que c'est même notre rôle de faire ça. Ça fait partie des ambitions qu'on doit avoir comme bibliothécaire. Mais en tous les cas, ça ne peut pas être totalement entendu comme un partenariat habituel. Je pense que c'est un mot valise qui est
pratique, mais qui, en réalité, ne correspond pas à une réalité. On pourra en débattre si vous le souhaitez. Donc, il y a cette histoire de temps fort en mai et en juin, donc mise à disposition de salles, on a pu faire des ateliers de relaxation, on a pu faire un certain nombre de choses, et aujourd'hui, on se penche beaucoup sur la question de l'oralité, puisque vous le savez, c'est un peu le nouveau credo éducation nationale, sur lequel on a, personnellement, je m'interroge beaucoup, mais je ne ferai pas part de mes interrogations tout de suite, ça serait trop long, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y a besoin d'accompagnement là aussi, donc la question de la question de l'utilité des médiathèques, elle peut aussi s'incarner dans l'idée de comment on est force de proposition sur ces accompagnements du point de vue des ateliers, par exemple en créant des ateliers d'éloquence qui permettent de prendre la parole en public. Et je finirai juste pour dire que j'ai oublié tout à l'heure, en tout début, quand on a parlé des collections, de dire qu'évidemment, la réalité de nos collections sont physiques, autour de tout ce dispositif dont j'ai parlé, mais elles sont aussi numériques, naturellement, puisqu'on a une plateforme, et que sur cette plateforme, il y a aussi beaucoup de propositions d'accompagnement des programmes scolaires, mais surtout de formation tout au long de la vie. Puisque vous le comprenez, cette démarche éducative, elle est vis-à-vis d'individus, vis-à-vis de groupes, mais elle laisse personne, du plus petit à l'étudiant, de côté. Et je finirai juste par dire que du côté des plus grands, un peu d'ailleurs en lien avec ce qu'a raconté Agnès et expliqué tout à l'heure Agnès, par exemple, quand on emploie des vacataires à pleine commune, et ça c'est depuis très longtemps, ce sont des vacataires qui sont des étudiants du territoire ou des habitants étudiants du territoire qui étudient ailleurs. Et c'est une façon aussi, comme tu l'as très bien défini tout à l'heure, de dire que notre rôle est aussi d'accompagner ces jeunes qui sont en formation en leur proposant un boulot peut-être moins ingrat que d'aller travailler chez McDo et dans un cadre peut-être plus favorable à la réussite éducative en leur proposant de faire des vacations chez nous qui ne sont pas des vacations forcément d'accompagnement comme dans le projet dont nous a parlé tout à l'heure Agnès, mais qui sont simplement des compléments de services comme ça existe dans beaucoup de nos médiathèques. Donc c'est ce souci éducatif, il est avec l'éducation nationale, en relation avec eux, avec les services dans les villes, mais aussi en suivant de manière individualisée le parcours de vie des tout petits aux plus grands, en passant par les familles. Merci. Merci Florence pour votre intervention très riche. Et donc nous allons maintenant écouter Johan, qui est directeur des médiathèques de Bordeaux, qui va intervenir en visio. Donc. Bonjour, vous m'entendez, ça va ? On vous entend bien, oui, on a l'impression que ça marche bien. Déjà, désolé de ne pas être parmi vous en Lorraine, hein, mais il semblerait que le quart nord-est de la France ait très envie d'aller pendant ce week-end de Pentecôte sur le bassin d'Arcachon ou le Pays Basque. Et donc, il n'y avait plus de train pour revenir à Bordeaux. Donc, je suis contraint de vous le faire à distance. Voilà. Alors, je n'interviens pas finalement tellement en tant que directeur des bibliothèques, mais parce que j'ai pu par le passé creuser la question de l'insertion professionnelle dans les bibliothèques. Je voulais faire finalement, deux retours d'expérience, parce que c'est vrai que sur un gros réseau comme Bordeaux, ces questions sont assez riches. Et donc, je vais vous parler de deux projets qui sont très intéressants pour nous. Alors, le titre, déjà, de l'insertion professionnelle à la réussite scolaire, ça peut paraître étrange, et ce n'est pas par esprit de contradiction par rapport au titre de cette session en général, mais c'est parce qu'à Bordeaux, chronologiquement, on a plutôt d'abord travaillé l'insertion professionnelle et ensuite la réussite scolaire. Voilà, tout simplement. Alors, comme mes collègues Agnès et Florence, très rapidement, je vais vous dresser le portrait du territoire. Je n'ai pas mis à pesantir, mais vous savez que Bordeaux est un territoire plutôt attractif quand même en France, avec une croissance démographique très, 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 très forte et une agglomération qui aujourd'hui approche les 800 000 habitants avec un certain nombre d'attractivités sur les cadres, mais qui finalement fait de Bordeaux au départ une métropole plutôt tranquille par rapport à d'autres métropoles françaises et maintenant voir rattraper les problèmes d'une grosse agglomération, notamment en termes d'incivilité, de taux de chômage, etc. Donc, ce qui est un petit choc pour la population de ce territoire. Donc, sur la slide d'après, effectivement, on voit qu'on a des problématiques qu'on rencontre un peu partout et il y a, malgré ce qu'on pourrait penser de Bordeaux de l'extérieur, qui a une image plutôt riche, hein, on a des territoires, on a 5 QPV sur le territoire unique de la ville.
Et donc, on travaille beaucoup cette question de l'offre en lien avec le territoire, notamment parce que les trois quarts des bibliothèques de quartier du réseau, je vais le présenter après, sont dans des quartiers prioritaires, sont en pied d'immeuble. Et donc, on a un travail tout à fait important à mener de ce point de vue-là. Donc, je vais présenter aussi rapidement le réseau. C'est un réseau de 10 bibliothèques. Alors, c'est un réseau municipal. On n'est pas du tout, il n'y a pas de compétences culturelles sur ce territoire-là. Donc, il n'y a pas de compétences culturelles à Bordeaux Métropole, ce qui fait que sur les 28 communes de la métropole, il y a 25 bibliothèques municipales, médiathèques municipales. Et on commence juste à travailler ensemble par de la coopération. C'est marqué aussi par un fait qui est singulier, c'est qu'il y a une énorme centrale. La bibliothèque Mériadec écrase un petit peu le paysage, avec 32 000 m² sur le total, 26 000 m² pour la bibliothèque Mériadec. Et on rattrape ce retard petit à petit par des projets de construction, de réhabilitation dans les bibliothèques de quartier. Alors, je ne sais pas si ma collègue Julie, qui est avec vous, est dans la salle, mais elle m'en voudrait si je ne parlais pas aussi d'un réseau de bibliobus urbains qui maille le territoire et d'une bibliambule qui maille aussi avec ses trois roues le territoire, notamment par une politique qui s'intensifie en matière de hors les murs. Voilà, et on a 50 000 inscrits, qui est plutôt un beau taux pour des réseaux urbains. Voilà, donc, on a 230 agents sur ce territoire. Donc, j'ai tout de suite entré dans le vif du sujet et vous parler d'un premier gros projet qui nous a animés il y a presque 15 ans maintenant, qui a été de créer un espace auto-formation dans le service actualité de la bibliothèque Mériadec. À l'époque, c'était très singulier. En dehors de la BPI, qui avait initialement depuis 1977 un labo de langue, puis un espace auto-formation, ça n'avait pas trop essaimé dans les bibliothèques municipales. Et donc, on a décidé d'aller vers ça avec un espace d'auto-formation, mais complètement dédié à la recherche d'emploi et à l'insertion professionnelle. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Alors, c'est un peu un cliché que je vais vous dire, mais on a fait un diagnostic de territoire, tout simplement, et on s'est aperçu que la bibliothèque Mériadec, qui est au centre d'un quartier pas très vivant, il faut bien le dire, à Bordeaux, qui est le quartier administratif de la ville, ce quartier attirait tout un tas de populations qui allaient vers la NPE à l'époque, qui allaient vers la préfecture, notamment des populations d'origine étrangère, qui allaient en préfecture pour faire des demandes de naturalisation et qui venaient ensuite à la bibliothèque pour consulter le JO, parce qu'on avait le JO papier à l'époque, pour voir si les décrets de naturalisation étaient passés. Et donc, il y avait comme ça un flux de populations qui étaient intéressées par le français étrangère, par des formations de base en mathématiques, en français, et puis tout un tas de contenu qui était intéressant pour trouver un travail. Mais surtout, c'était dit par mes collègues, on pense toujours à trouver un travail, mais il y a tout le principe de réorientation professionnelle aussi qu'on voyait, c'est-à-dire des gens qui avaient un travail, mais qui souhaitaient en trouver un autre et qui avaient cette difficulté par rapport à l'employeur à pouvoir se former, s'auto-former, pour avoir de nouvelles compétences et partir dans un autre emploi. Donc, on a travaillé ce projet en lien avec ce diagnostic de territoire au sein du service actualité, un service actualité qui était un service un peu à l'anglo-saxon, c'est-à-dire un service complètement dédié aux guides pratiques. C'est-à-dire qu'il y avait dans tous les domaines des guides pratiques. C'était ça qui fondait ce service-là. C'est intéressant parce que là aussi, c'est assez rare en bibliothèque municipale d'avoir un service qui est centré plutôt sur la forme du document, en fait. Des documents d'accès rapide, en consultation sur place et qui doivent donner une information très pratique. Et on a, à l'époque, dédié encore plus ce service à tout ce qui permettait une recherche d'emploi ou en trouver un autre, en fait. Et donc, on a très axé sur les concours, beaucoup de livres, pareil, là, sur le scolaire, on n'avait pas trop de cas de conscience, on a acheté beaucoup d'annales de brevets, de bacs, etc. Après, pour l'université aussi, beaucoup de choses dans les langues dans l'informatique. Parce qu'on avait estimé à l'époque que c'était des domaines qui étaient clairement un plus pour trouver un emploi, maîtriser ne serait-ce que le français, mais une langue étrangère, plus maîtriser les outils informatiques. Et on a souhaité, et c'est aussi l'originalité du projet, on a souhaité travailler le numérique, mais comme un soutien
à cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité créer un espace numérique un peu à part, comme ça se voit parfois, mais on a mêlé complètement les postes informatiques. Et quand même, vous voyez sur la slide 34 postes, qui n'est pas rien. Je crois qu'à l'époque, après la BPI, on était le plus gros espace d'auto-formation en France. Alors, 34 postes répartis dans les collections, permettant d'accéder à des contenus numériques soutenant cette politique de la recherche d'emploi. Et donc, on a pris des bases de données voilà, d'auto-formation là-dessus. Donc ça, c'est en 2008. Et pour aller et avancer, parce que le temps file, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait évoluer le projet. On parle souvent d'adaptabilité du service public, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que depuis 14 ans, les attentes du public ont considérablement évolué. Et aujourd'hui, on n'a plus réellement d'espace d'auto-formation. Et on a fait migrer vers plus d'humains. Parce que, en fait, c'était une erreur au début. L'auto-formation n'est bien que pour ceux qui maîtrisent déjà l'informatique. Et ce n'est pas complètement le cas. Donc, on a migré notre activité vers plus d'humains, plus d'accompagnement. On a, en parallèle, après, petit à petit, travaillé la question des ateliers avec des partenaires, des ateliers menés par des collègues de la bibliothèque. Et pareil, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de plus en plus, et il y avait des attentes en matière d'accompagnement individuel. Donc, pareil, là, ça migre de plus en plus vers ce que nous, on appelle des solus, dans notre jargon, hein. C'est une sorte de label, c'est-à-dire un rendez-vous, hein, on parle souvent de réserve bibliothécaire, un book librarian, comme on dit chez nos amis anglo-saxons. C'est un peu ça, en fait. On a des rendez-vous d'une heure pour résoudre un problème. Et puis, on a travaillé, c'est un lieu commun là aussi, la question des partenariats. Et donc, pareil, des accompagnements individuels avec, je pense à une association qui s'appelle Acte 33, qui est là pour le retour à l'emploi. On a aussi des écrivains publics qui permettent aussi d'accompagner cela. Et on en a un peu parlé aussi lors des précédentes interventions. On a la chance d'avoir bientôt 5 conseillers numériques dans le dispositif que vous connaissez. Et la singularité de Bordeaux, pardon, c'est qu'on pilote ça pour la collectivité. La collectivité, le DGS, a reconnu la compétence de la bibliothèque. Je trouve ça très, très bien parce que, on le sait tous, hein, si on est très fort en bibliothèque en matière d'inclusion numérique, c'est parce qu'on s'est lancé dedans depuis des années, mais on n'a jamais eu de lettre de mission, on ne nous a jamais demandé formellement dans la collectivité d'intervenir là-dessus. C'est qu'on a vu qu'il y avait un besoin réel et que personne d'autre le faisait, finalement. Là, je trouve que c'est bien à Bordeaux, c'est que la collectivité a finalement reconnu cette compétence des bibliothèques et on pilote les conseils numériques pour tous les services de la ville. Et on a un maillage du territoire très, très fort là-dessus. Ça fait partie, évidemment, de la politique de retour à l'emploi, d'accompagnement à l'emploi, parce que, évidemment, dans une grande partie de ces rendez-vous, il y a cette question-là. Voilà. Et l'auto-formation, finalement, elle reste, mais elle reste à distance, puisqu'on a une offre d'auto-formation via Bordeaux Métropole, complète, dans tous les domaines, via toutapprendre.com, que vous connaissez, et qui permet, finalement, de toucher les actifs qui peuvent avoir besoin, hors de leur temps de travail, de pouvoir s'auto-former à d'autres choses et pouvoir justement permettre de retrouver un emploi. Donc voilà, on a une politique depuis lors assez forte dans ce domaine-là et qui a nécessairement évolué. Alors l'autre projet, très en lien avec ce qu'ont dit Agnès et Florence, c'est tout ce qui est lié au scolaire. Ça a commencé il y a quelques années par, de manière très classique, des aides aux devoirs après l'école. Et notamment, ça marche quand la bibliothèque, surtout dans la bibliothèque des quartiers, qui sont très proches d'un collège. Et donc, il y a un lien naturel qui se fait des enfants, des pré-ados, voire des ados qui sortent du collège et qui vont après l'école, après le collège, dans la bibliothèque. Et donc, ces bibliothèques, je pense à notamment une bibliothèque dans un quartier extrêmement difficile, qui est le quartier du lac des Aubiers à Bordeaux, donc quelque chose qui est depuis très longtemps actif. Et puis, ça fait quelques années qu'on a travaillé cette question du bac d'abord et après des examens, donc inclus le brevet. D'abord, quelque chose qui s'appelait « Révise ton bac ». Alors, c'était avant la pandémie, on avait décidé tout simplement, c'était assez basique, mais de mettre en place des tables supplémentaires dans des endroits, notamment la bibliothèque Mériadec, pour que ces enfants viennent travailler à partir du mois de mai-juin.
Et on avait décidé d'avoir un petit budget d'acquisition pour créer une mini-bibliothèque à cet endroit-là avec toutes les annales possibles, imaginables dans ces domaines du brevet et du bac. Et puis petit à petit, là aussi, je trouve que c'est partie de la même démarche, c'est l'accompagnement individuel qui est cette demande. Et on arrive cette année à quelque chose de... L'année dernière, on a commencé, ça a bien fonctionné, et cette année, c'est beaucoup plus abouti. On est passé de révise ton bac à révise à la bibliothèque avec un certain nombre de séances sur le réseau des bibliothèques, essentiellement dans 4 bibliothèques, y compris la bibliothèque centrale, d'accompagnement individuel aux oraux. Donc, on pense essentiellement au bac français et puis, évidemment, au grand oral. Et on a perçu, comme tout le monde, la difficulté pour les élèves à se mettre dans cette nouvelle épreuve, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient jamais vraiment eu de ce genre d'épreuve. Donc, on a senti un peu le stress des élèves. Et donc, on a mis en place une politique de communication là-dessus et un programme. Alors, des choses un petit peu singulières quand même, c'est que d'une part, pour déstresser nos élèves, on a mis en place des ateliers de sophrologie. Voilà, c'est assez peu courant, je pense, dans ces dispositifs-là. Donc, à un certain nombre de dates avec... une association de sophro qui vient donc dans ces bibliothèques sur rendez-vous. Et puis, je voudrais souligner la grande implication des collègues cette année, parce que comme ça, peut-être vous vous dites que ça fonctionne sur du bénévolat d'enseignants, et finalement assez peu. Cette année, on a dénombré presque 30 collègues qui se sont investis pour aider les... Il y a des ex-enseignants d'ailleurs dans ces collègues, mais pas que, pour accueillir et pour faire des oraux blancs et donner des conseils à la fois sur des contenus, mais aussi sur les savoir-être, etc. Donc ça c'est très intéressant, cette implication. C'est pas toujours évident, hein, d'impliquer des collègues sur des dispositifs qui sortent un peu de ce qu'on peut attendre du métier de bibliothécaire. Et là, il y a eu vraiment cette implication-là, et ça a bien fonctionné. Alors, on constate quand même un succès qui peut être relatif en fonction de la chronologie, en fait. On a ce dispositif entre mai et juin, et on voit que quand même les élèves s'inscrivent plutôt à la fin, plutôt en juin qu'en mai, et que peut-être il y a une difficulté à cet âge-là à se projeter dans les oraux. Et donc, donc il faudra peut-être qu'on fasse peut-être chose qu'on adapte. Juste pour l'anecdote aussi, c'est la prochaine slide, je crois. Il y a eu tout un engouement de communication autour de ça, parce que pour communiquer auprès de la population, ce n'est pas évident d'ailleurs, ça c'est un point qui a souligné quand même, hein, c'est comment faire venir des élèves qui ne seraient pas habitués des bibliothèques, notamment à cet âge-là, c'est le creux de la vague quand même, hein, en termes de fréquentation des bibliothèques, à 16-18. Et donc on avait fait passer un communiqué de presse dans la presse locale, donc il a bien fonctionné. Il se trouve qu'à Bordeaux, on a un service presse, comme c'est une grosse collectivité, et que ce communiqué de presse a été diffusé au national, et que, preuve peut-être de l'intérêt nouveau quand même pour les bibliothèques et leur rôle socio-éducatif, la presse nationale s'est intéressée à ce dispositif, et donc BFM était intéressé. On avait un article dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, TF1 aussi nous avait sollicité. Voilà, c'est tout à fait étrange, mais intéressant peut-être sur ce que les bibliothèques aujourd'hui représentent en termes d'ouverture à ces services-là. Je finirai, parce que pour qu'il reste quand même une demi-heure de discussion, sur un point, c'est la question de l'organisation. Et Agnès et Florence ont un petit peu parlé. C'est la prochaine slide. Je crois vraiment que... c'est un peu flou, en fait. C'est pour vous dire que je pense que tous ces dispositifs liés à l'insertion professionnelle, à la réussite scolaire, aujourd'hui, sont très importants, mais demandent un gros travail sur le partenariat, sur l'étude des publics, comment organiser tout cela. Et aujourd'hui, je crois que ça s'impose d'avoir des postes dédiés. Quand je regarde mes collègues de l'agglomération qui dirigent des bibliothèques un peu plus petites que Bordeaux, même sur des villes de 10 000 habitants, il y a aujourd'hui l'habitude d'avoir identifié un poste sur l'action culturelle, la coordination de l'action culturelle, l'animation culturelle. Je crois que c'est très important aujourd'hui, si on n'a pas les moyens d'en avoir un à plein temps sur l'action éducative et sociale, je crois qu'il faut
au moins la mêler à l'animation culturelle à Bordeaux. Donc on a un gros réseau, hein, je dis 230 personnes hein, et 10 bibliothèques. On a des chargés de projets spécifiques et je vois qu'on a créé, on a renouvelé l'organigramme en 2017 en lien avec un PCSES très proactif dans ces domaines-là. Donc on a créé des chargés de projets spécifiques au social, un chargé de projet spécifique à tout ce qui est scolaire. Ça nous a apporté énormément de bien. On ne pourrait pas aujourd'hui amener à son terme tous ces projets sans cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça s'impose de donner du temps à ça, parce qu'autrement, ça peut passer un peu à la trappe. Et on est en train de rédiger notre deuxième PCSES actuellement. Et là aussi, ça va être encore un point important, peut-être de remettre des moyens humains dans ces domaines-là qui sont complètement essentiels. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là, et puis après, on verra s'il y a des questions plus spécifiques à cela. Merci à vous. Merci à vous, Johan, pour votre intervention, elle aussi très riche. Et donc, dernière intervention avec Agathe, donc de Agathe Kalfala de la revue Lecture Jeunesse. Bonjour, merci beaucoup. Alors, pas seulement la revue, si tu veux. Oui. Alors, pas seulement la revue, donc Lecture Jeunesse, c'est avant tout une association qui existe depuis presque 50 ans, depuis 1974. Je vais peut-être prendre le prompteur aussi, le passé. Voilà, une association donc qui, alors, je ne pensais pas que je passerais forcément les slides, mais en effet, on part de la même situation, donc on est vraiment concentré sur les adolescents, qui est une classe d'âge aux frontières assez mouvantes. Hein. Globalement, on est sur les 12-19, donc à partir de l'entrée au collège et au moment justement du décrochage de la lecture, en tout cas tel que les enquêtes le montrent depuis très très longtemps, jusqu'à la fin du lycée et plus, quoi, donc 12-19, voire plus, jeunes adultes. Et donc, j'ose pas dire collègues parce que je ne suis pas bibliothécaire, mais en tout cas toutes les intervenantes et intervenants l'ont fait précédemment, Lecture Jeunesse a cette volonté, cette ambition, cet objectif, en effet, d'accompagner les professionnels du livre, de la lecture et de la culture en général à soutenir, encourager la lecture, l'écriture et l'oralité aussi auprès des adolescents. Sachant que voilà, cette tranche d'âge est une tranche d'âge, en effet, moins facile, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas, qui a un rapport d'autonomie petit à petit à la culture et à la lecture, et qui, du coup, on l'a vu dans les expositions de données, les accueils de classe en bibliothèque se font beaucoup plus en maternelle et en primaire, ce qui est très très important, beaucoup moins de façon facile en collège et en lycée, pour beaucoup de raisons. Et d'ailleurs, à ce propos, je veux mentionner la grande enquête qui a été réalisée pour les partenariats entre les collèges et bibliothèques départementales, que vous retrouverez sur le site. Là, je l'ai imprimé, mais c'est des données que vous retrouverez sur le site à imprimer directement, puisque ce n'est pas une revue papier. Donc, pour reprendre la situation de Lecture Jeunesse, donc une association qui veut accompagner, soutenir, encourager tous les acteurs éducatifs, alors un peu les parents mais on les voit moins, mais en tout cas les bibliothécaires, les enseignants, les professeurs documentalistes, les animateurs, les éducateurs qui sont en lien avec les jeunes. Et comme donc mes collègues précédemment, la situation étant celle qu'elle est en France, c'est-à-dire avec en effet 9,5% des jeunes participant à la journée défense et citoyenneté qui rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture, le tiers d'entre eux peuvent être considérés même en situation d'illettrisme, plus d'un jeune sur 10 a une maîtrise fragile de la lecture, 43,5% des jeunes de niveau collège ont des difficultés de lecture et de compréhension de l'écrit, donc d'après les chiffres je ne sais plus si c'est les chiffres de la DEEPP, beaucoup aussi, enfin plus de 10% des 16-25 ans, donc qui sont en situation, donc qui ont quitté l'école, qui ne sont plus ni en formation, ni en stage, ni en emploi. Donc des gros écarts qui restent notoires
entre les performances des adolescents maîtrisant le mieux et le moins bien l'écriture et la lecture. Et c'est vrai que quand on parle des jeunes en France, ce n'est pas une classe d'âge uniforme. Et j'en veux encore la lecture que j'ai faite dans le train, j'ai attrapé ce livre-là hier, il vient de sortir, 20 ans, le bel âge d'Olivier Galland, dont je vous recommande fortement la lecture, très intéressante, une radiographie de la jeunesse française d'aujourd'hui et qui montre qu'il n'y a pas tant un clivage intergénérationnel qu'un clivage générationnel. Qu'en effet, entre des jeunes qui maîtrisent la langue et qui ont accès à des formations et à des emplois intéressants, et ceux qui ne l'ont pas, il y a vraiment un vrai clivage. Il y a des gros écarts qui alimentent aussi un sentiment de frustration, voire de colère et de violence. Et je reviendrai là-dessus parce qu'il y a un point très important par rapport justement à la lecture que je ne connaissais pas, un rapport entre justement la violence et la détention de livres chez soi. Donc je vous en parlerai, c'est apparemment une enquête qui a été menée il n'y a pas très longtemps et qui a des conclusions qui ne peuvent que vous intéresser. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on part d'une situation qui n'est pas homogène, qui est discriminante, qui est compliquée, avec en plus une origine sociale qui est toujours discriminante et des problèmes aussi avec l'école. Donc, enfin avec l'école qui n'accompagne pas tous les élèves, qui laisse beaucoup d'élèves sur le carreau, et en particulier au moment de l'orientation. Et j'entendais ce matin à la radio ces questions de l'orientation. Je vois quelqu'un qui arrive, que je connais, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Bienvenue. Des questions d'orientation qui sont compliquées, puisque, en effet, les nouveaux logiciels mettent beaucoup sur le carreau certains jeunes qui se retrouvent dans des formations qu'ils n'ont pas du tout choisies. Et ça alimente encore une fois à la fois la frustration, la colère, le mécontentement. Donc, Lecture Jeunesse est plus que jamais mobilisée autour de la lecture et fait partie donc de l'Alliance pour la lecture. Nous avons d'ailleurs un prochain colloque. Donc, il y a eu un colloque Écrire pour lire en début d'année, et à la fin de l'année, il y aura le colloque Écriture et oralité, puisque, comme vous l'avez souligné, le grand oral fait partie maintenant des épreuves du bac et met à l'honneur aussi cette prise de parole. Donc, ce que nous faisons à Lecture Jeunesse, c'est... alors, je vais le passer un petit peu parce que vous le retrouverez. Mais ce que nous faisons avec trois grands pôles, c'est à la fois diagnostiquer pour mieux agir avec l'Observatoire de la lecture des adolescents qui produit, qui demande des enquêtes et qui produit des contenus que vous retrouverez. Donc, des revues, des enquêtes, des évaluations, des colloques, des publications... l'accompagnement et la formation dont je suis responsable, et l'expérimentation de terrain, donc avec des projets en partenariat, et là je rebondirai sur ce que vous avez tous les trois expérimenté, enfin en tout cas pointé, la difficulté de travailler avec l'éducation nationale, et sans vouloir vexer personne, en effet, je le sais, je le vois bien, puisque ça fait maintenant plus de 8 ans que j'accompagne, enfin que j'organise, j'anime de nombreuses formations auprès de professionnels, bibliothécaires et professeurs documentalistes, et je vois que quand on parle partenariat avec l'éducation nationale, c'est pas simple parce que, enfin, au niveau du collège et des lycées, il y a en effet ce sentiment d'être utilisé, je l'ai entendu comme ça, hein, d'être utilisé ou en tout cas de ne pas vraiment travailler ensemble sur des projets. Alors, le projet NUMOOC sur lequel, projet NUMOOC qui est un projet d'écriture de livres numériques avec des jeunes en collège, en lycée, en centre de formation d'apprentis, mais aussi en centre de jour, enfin dans différents lieux qui accueillent des jeunes. Ce projet d'écriture de livres numériques est un projet qui rallie à la fois des enseignants de matières différentes, et ça c'est très important parce que la lecture, l'écriture, c'est pas seulement la question des profs de français ou des profs d'histoire géo, mais c'est aussi celle des profs de maths. Et pour preuve, la semaine dernière j'étais en formation, je dirais plutôt sensibilisation autour de l'importance de la lecture, du rôle de la lecture dans toutes les matières. Et j'avais un professeur de mathématiques qui a pris la parole en disant ben, moi, c'est automatique, dès que je distribue un devoir avec une consigne, les jeunes lèvent donc c'est en collège, dans toutes les classes, lèvent tout de suite la main, enfin beaucoup de jeunes lèvent la main en disant on n'a pas compris, ils n'ont pas eu le temps de lire l'énoncé, on n'a pas compris. Et je pense qu'il y a vraiment une peur, alors alimentée par notre système scolaire. Donc, je suis désolée, mais en effet, je ne suis pas la seule à le dire, puisqu'ils le disent vraiment
très fortement un système, alors basé sur la réussite, tant mieux s'il faut réussir, mais avec un stress très très fort. Et en France, on est dans les mauvais élèves, entre guillemets, dans les tests PISA, parce que les jeunes en France préfèrent ne pas répondre, par exemple, à certaines questions, plutôt que de faire une erreur. Donc il y a vraiment une trouille de l'erreur qui est terrible. Il y a un manque de confiance. Et là, je pense que vous, professionnels bibliothécaires, on a tous un rôle à jouer là-dessus, à redonner confiance et dire que la recherche, la recherche d'information, la science, la vie est faite que de questionnements, que d'erreurs, et que les erreurs permettent d'avancer. Enfin, ce n'est pas des erreurs, d'ailleurs. Tous les chercheurs, et nous tous, on est des exemples aussi d'avoir, à un moment donné, heureusement, tirer des bonnes leçons de l'erreur. Bon, voilà, je médite là-dessus parce que je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à avoir à l'éducation nationale, que je pense que les bibliothécaires ont déjà largement mis en route, mais dire qu'on ne se trompe pas, et se tromper, c'est juste avoir fait un choix à un moment donné parce qu'on pensait que c'était le bon, redonner de la confiance aux jeunes, je pense que c'est vraiment très très important. Et donc, pour rebondir, puisque du coup je vais essayer de faire le lien, j'ai fini de présenter discussion entre les intervenants, je vais revenir juste un petit peu avant. Donc, pour rebondir sur ce qui a été fait, puisque la demande c'était d'avoir une vision un peu macro sur les jeunes et l'accompagnement à la réussite, donc moi je me situe vraiment sur les collégiens et les lycéens, puisque même si je sais que la réussite, ou je dirais le pouvoir d'agir, qui est un terme que j'aime beaucoup, commence dès l'enfance, et vous l'avez très bien dit, avec tous les professionnels encadrant les enfants, avec en effet la découverte d'albums jeunesse qui sont extrêmement riches, qui sont, comme vous l'avez dit, un premier musée, ou avec en effet l'intégration de jeunes au sein des bibliothèques, en les rémunérant, en les considérant comme des futurs citoyens. Donc, il est clair que dans ce titre, De quoi je me mêle, vous vous mêlez de choses très importantes qui sont les besoins des ados. Les jeunes ont besoin déjà d'être reconnus, non pas comme des trublions, c'est pas nouveau, mais on continue d'avoir des visions, d'entretenir par les médias, je tape un petit coup dessus, mais désolé, mais il y a quand même une certaine facilité à dire les jeunes, ils sont toujours sur leur portable. Les adultes, jamais. Bon. Même le CNL, et je tombe dessus, claque dessus aussi, dans sa dernière enquête, dit « C'est terrible, les jeunes passent 3h30 par jour sur leur portable et seulement 3h30 par semaine sur leur livre. » Et sur leur portable, ils lisent jamais. Moi, je fais que ça, de lire sur mon portable, en fait. Donc, arrêtons d'opposer le contenu et l'outil. Donc, il y a vraiment, je milite pour la littérature jeunesse, mais avant tout pour les jeunes, parce que je pense qu'ils sont vraiment, vraiment malmenés par les familles, par les adultes, par beaucoup d'adultes qui considèrent qu'ils sont désengagés, tous les mots vont sur les jeunes. Il y a même eu, pendant le confinement, tous ces jeunes qui ont vraiment beaucoup souffert parce que il y a des chiffres qui sont quand même très importants. Et hier, j'animais en ligne une formation sur les jeunes adultes et je reprenais des chiffres qui, à mon avis, sont très, très éloquents. À mon époque, donc, quand j'ai passé le bac en 82, on était 3 Français sur 10 à passer le bac. Maintenant, ils sont 8 sur 10 à l'avoir. Alors, on m'a dit, ouais, mais parce que c'est moins bon maintenant, etc. Non, une massification scolaire, ils sont 8 sur 10 en France à avoir le bac, à passer le bac et à l'avoir. Oui, certes, il y a peu d'échecs. Mais le problème, c'est pas ça, c'est tant mieux. C'est la promesse derrière. C'est-à-dire que derrière, on a des jeunes qui n'ont absolument pas les moyens de suivre des études supérieures parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement financier, mais pas seulement. Il y a des bourses, certes, mais pas terribles, qui sont surtout les bourses qui sont donc tributaires des parents. Et alors, il y a un autre livre que je n'ai malheureusement pas eu là parce que j'ai été le chercher en librairie, mais il n'était pas là. Donc, je l'ai commandé, je l'avais la semaine prochaine, pour une politique de la jeunesse de Camille Peny, que je vous recommande aussi parce que c'est un sociologue-chercheur vraiment qui dit qu'il faut faire un effort en France pour avoir une vraie politique de la jeunesse et arrêter de dire « ils ont 18 ans, c'est des adultes et on veut qu'ils fassent ça, 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 mais on ne leur donne pas les moyens, ils dépendent de la famille et quand la famille est famille monoparentale, famille avec des difficultés, etc., eh ben, ils n'ont pas les moyens ».
heureusement, il y a les bibliothèques qui sont là, qui les accueillent, qui les rémunèrent, qui les considèrent comme des citoyens, des futurs citoyens. Mais voilà, je m'insurge et j'ai beaucoup de colère et en même temps de confiance dans les bibliothèques en me disant, voilà, vous êtes des lieux indispensables, j'en suis persuadée, d'égalité, d'accès et de chance à, en effet, trouver sa place. Alors, il reste que la bibliothèque reste un lieu symbolique très fortement connoté, un lieu aussi, alors ici il y a plus une représentation d'hommes et de femmes, mais un lieu très féminin, et pour les garçons c'est pas forcément facile, et c'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues, de franchir le pas et de se retrouver que avec des femmes à un moment de construction identitaire, etc. Mais bon, ça on n'y peut rien, je sais pas, il faut que ce soit peut-être plus rémunéré pour que ça fasse venir les hommes, petite blague à part. Enfin bref, il y a certes des freins, il y a des blocages, c'est vrai, non? Voilà, comme les profs doivent être plus rémunérés, ça ferait plus venir les profs aussi, parce qu'il y a un vrai travail d'égalité, il y a un travail de pouvoir. Et donc je vous disais que j'avais lu cette information qui m'a vraiment surprise ce matin, que en effet dans les foyers, alors je sais plus, je sais pas si j'ai bien noté, en tout cas dans les foyers, non, je l'ai peut-être noté ici, voilà, quand il n'y a pas de livres à la maison, il y a 35% des jeunes qui sont au niveau inférieur au bac, contre 8% de jeunes qui sont dans des foyers avec plus de 100 livres. En fait, là, peut-être c'est pas très clair de le dire comme ça. Quand il n'y a pas de livres à la maison, il y a un risque beaucoup plus fort de perte d'ascension sociale. Enfin, comment dire, de je n'ai pas droit, je n'y arriverai pas, parce qu'il n'y a pas de modèle non plus, parce que cette fameuse question de, c'est pas légitimité, mais quand les jeunes se sentent par rapport à leur famille. Et Annie Ernaux en est un exemple très fort, mais de dépasser, entre guillemets, alors je ne trouve plus le terme qui est le titre d'un très bon livre aussi, je ne sais plus, voilà, ça va me revenir, mais ce sentiment de loyauté. C'est ça, le sentiment de loyauté par rapport à sa famille. Est-ce que j'ai le droit d'être mais plus instruit que mes parents. Donc il y a vraiment des questions de politique, sociale, politique, économique, j'en suis persuadée, et je pense que voilà, l'accès aux livres, l'accès à la culture, l'accès à l'information, et vous en avez très bien parlé, et Johan en a parlé aussi, sur cette question de c'est pas parce que l'accessibilité, parce qu'il y a des postes informatiques qu'on va y aller, c'est pas parce que tous les jeunes ont un portable qui sont à l'aise avec Internet, loin de là. Donc vraiment sortons des préjugés, sortons des idées préconçues, sortons des ils ont accès donc ils y arriveront. Non, il y a vraiment besoin d'un accompagnement, ça j'en suis sûre, persuadée, et en même temps alors j'ai envie de rebondir sur ce que disait Johan, hein, le dernier dernier intervenant sur l'organisation, il fallait des postes dédiés parce que c'est compliqué le partenariat, etc. Alors j'avais envie de citer une association dans laquelle une de mes ados, ma fille, fait partie, Les Jeunes Ambitieux, qui est de de la co-construction avec des jeunes. Et ça, j'y crois beaucoup aussi. Et je pense que si vous vous mêlez de la réussite scolaire et de l'accès à des emplois dignes de ce nom, enfin des emplois qui sont en rapport avec les ambitions des jeunes, bravo. En même temps, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas, on vous le demande beaucoup, d'être couteau suisse, vous n'êtes pas forcé d'être tout le temps capable de tout faire. Et je pense qu'une auto, enfin permettre aussi à des jeunes, ben c'est les fameux jeunes qui ont été accompagnés dans des dispositifs de réussite au bac, d'être à leur tour des ambassadeurs, de devenir eux-mêmes des passeurs de leur réussite, je pense que c'est une des clés aussi pour que cette machine elle tourne. Arrêtez de penser qu'on doit dispenser le savoir par des sachants, mais vraiment faire de la co-construction et emmener les jeunes qui ont été accompagnés dans un nouvel accompagnement. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Agathe pour votre intervention très enthousiaste. Bon, comme il nous reste une dizaine de minutes, on avait pensé à un temps d'échange entre les intervenants, mais on va peut-être passer directement aux questions du public, non, ça me paraît.
Donc voilà, je peux amener le micro si vous voulez. Pendant que le micro circule, une réaction. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai parlé de ces territoires riches quand j'ai commencé à prendre la parole, parce que moi, je souscris complètement à ce qu'a dit ma voisine. Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger les familles. C'est-à-dire que si on veut que les gamins s'émancipent et construisent leur propre vie, ça veut dire qu'on prend en considération leur famille et les savoirs des familles. Et ça, c'est quand même une vraie difficulté, parce qu'évidemment, on est tout le temps dans l'urgence et dans l'efficacité d'un certain point de vue, mais sans les familles, on n'y arrivera pas. Et ça veut dire, c'est pour ça que j'ai parlé un peu de manière allusive du projet d'Annie Ernaux sur la cuisine pédagogique, sur les ateliers de co-construction, etc. Parce que ça veut dire qu'on voyage aussi dans cette idée éducative avec l'ensemble de la population, qu'on ouvre ses portes et qu'on crée ses ponts, qu'on fait à ce qu'a dit Denis Merklen ce matin. Oui, petite question, merci déjà parce que c'est vraiment super intéressant. Moi, j'aimerais savoir si les professionnels et les vacataires sont formés aussi une fois dans l'année, justement, au niveau des programmes qui changent régulièrement. Est-ce que les professionnels sont formés à transmettre aussi à la jeunesse de nouveau, je ne sais pas comment expliquer trop, mais voilà, est-ce que les professionnels sont formés à former les jeunes? Je ne sais pas si je suis très claire. Alors, la personne qui est en charge de la réussite éducative et de l'insertion sociale, déjà, ce que je voulais préciser, c'est que c'est une personne qui ne vient pas des médiathèques, même si elle a pu dans sa jeunesse être emploi jeune dans une médiathèque, donc ça ne lui était pas complètement inconnu, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans le champ social, qui avait donc un réseau et qui a une, comment dire, un regard différent de ceux des médiathécaires. Donc cette personne, elle n'est pas forcément formée, mais bien sûr elle se renseigne, elle analyse, elle étudie pour voir comment orienter les vacataires étudiants dans leur approche de ces demandes. Après non, les vacataires étudiants ne sont pas formés, il est vrai. Après, il y a un grand turnover, parce que après, ils vont être en stage ou ils vont réussir leurs examens. Donc, on a quand même à chaque fois des nouveaux étudiants qui sont un petit peu plus, on va dire, proches des derniers programmes. Voilà. Mais non, effectivement, il n'y a pas de formation particulière. Par contre, il y a des entretiens de recrutement où effectivement, ce qui est important aussi, ce sont leurs compétences pédagogiques. Des fois, ça nous est arrivé de nous tromper, et puis on n'a pas renouvelé le contrat parce qu'effectivement, ça n'allait pas. Voilà. J'avais juste une petite curiosité par rapport à vos relations, par rapport aux professeurs documentalistes dans les collèges ou les lycées, par rapport à vos achats de séries de livres, par exemple. Quels sont vos rapports? Je vais laisser la question très ouverte pour ne pas influencer vos réponses. C'est extrêmement variable selon les points du territoire. Les collègues qui sont à la manœuvre sur les commandes de ces séries en fait regardent de manière très attentive les programmes de l'éducation nationale pour être aussi force de proposition dans le sens à minimum des programmes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure de manière un peu pointilliste, c'est aussi un endroit de proposition de lecture. C'est-à-dire que ça peut... Alors, les professeurs documentalistes, eux, sont réellement formés, vous le savez, sur la question quand même de la littérature. C'est un peu moins vrai des enseignants en général. Donc, c'est moins en direction des professeurs documentalistes que se font ces séries qu'en direction des profs y a des échanges, il n'y a pas de distribution de listes ou de démarches systématiques, mais ça, il peut y avoir des échanges qui nourrissent les acquisitions en question, évidemment. Mais normalement, c'est les professeurs qui font la demande aux professeurs documentalistes pour l'achat de ces séries. Parce que là, je réfléchissais, 24 séries de livres fois 30 élèves, ou au moins une quinzaine de livres, ça représente un budget quand même assez important à l'année pour votre médiathèque. C'est pour un réseau, le réseau des médiathèques, je l'ai dit tout à l'heure,
On est un réseau de 21 médiathèques et on a un système de réserve mutualisée. Donc on fait des acquisitions qui circulent sur l'ensemble de notre territoire. Oui, de toute façon, c'est un budget, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai parlé d'argent tout de suite, parce que c'est un budget. Alors cet argent-là ne concerne que en fait, le parascolaire, mais c'est un budget effectivement important. Alors ça ne couvre pas tous les besoins et on est content aussi que l'Éducation nationale prenne en charge une partie de ces questions-là dans ses propres lieux. Mais c'est un complément, en fait, qui renvoie l'idée aussi que c'est une aide. C'est pour ça que j'ai parlé de services dans la perspective sociale des bibliothèques. Alors, c'est vrai qu'il y a des séries collèges, il y a un peu de séries qui peuvent concerner même des plus grands. C'est beaucoup des séries qui vont concerner les élémentaires, parce que là, il n'y a pas de CDI, justement. Ah oui, d'accord. Okay, très bien. Alors, moi, pour compléter les propos de ma consoeur, effectivement, pour nous, alors, c'est une petite ville, Bonneuil, je vous l'ai dit, donc il y a un seul collège, les documentalistes qui se sont succédés ont été le point d'entrée de la médiathèque au collège depuis plus de 20 ans. Et ce sont effectivement des propositions et des suggestions de lecture faites par les bibliothécaires, mais souvent elles peuvent être accompagnées par exemple de la venue d'un auteur. Donc, ce qui permet aussi d'introduire ces séries. Et on s'est rendu compte aussi bien au niveau du primaire qu'au niveau du collège, que petit à petit, nous avons aussi influencé le choix des professeurs dans les lectures qu'ils proposaient, dans les listes de lectures qu'ils proposaient à leurs élèves. Voilà. Et puis, au collège, nous intervenons également aussi, par exemple, sur le temps du midi, autour du jeu, puisqu'on a une ludothèque, mais également autour de la présentation de romans, de propositions de lecture en direct avec les élèves. Voilà. Oui, d'accord. Mais les documentalistes sont effectivement un point d'entrée très important, même si après, bien sûr, on va voir le principal. On a des réunions en début d'année avec les enseignants sur tous les projets que l'on peut proposer, puisqu'on propose pas mal de projets aussi en direction du collège. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Tant que j'ai le micro, j'en profite juste sur un point particulier. Vos partenariats avec les maisons de l'emploi, par exemple, c'était quoi, concrètement parlant? Mis à part les forums de l'emploi ou les forums d'orientation? Alors ça, ce sont des événementiels villes, qui sont autour de ces thématiques. Oui. Donc le forum de l'emploi avec des entreprises qui sont présentes, des services RH de la ville, en direction plutôt de la population, même si ça peut un peu essaimer autour. Et nous sommes là pour présenter aussi nos dispositifs, nos ressources par rapport à l'insertion professionnelle, ne serait-ce que de venir à la médiathèque pour pouvoir construire son CV, par exemple, quand on est en recherche d'emploi. Et sur le forum de l'orientation, effectivement, on propose également tout notre fonds, on met en avant, on rend visible notre fonds emploi-formation et on rend visible notre dispositif d'aide en direction des lycéens. Puisque, comme je vous l'ai dit à la fin, le bilan reste quand même mitigé par rapport à, je vous ai dit, c'est une population très jeune et pour autant, on voit bien qu'on n'en touche pas énormément, alors qu'une petite spécificité quand même de la médiathèque de Bonneuil, c'est que nous avons 30% d'inscrits. D'accord. À la médiathèque. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais répondre aussi à la question sur la maison de l'emploi. En fait, la maison de l'emploi était le partenaire principal à l'ouverture de l'espace auto-formation à la bibliothèque Mériadec, parce qu'on avait extrêmement du mal à toucher Pôle emploi, enfin à l'ANPE à l'époque ou d'autres, et que la maison de l'emploi avait comme président le maire de la ville. Il y a un lien naturel entre la maison de l'emploi en général et la collectivité. Donc, ils nous ont apporté deux choses qui étaient vraiment intéressantes. C'est la dimension accompagnement individuel, encore une fois, c'est-à-dire que la maison de l'emploi déléguait quelqu'un une fois par mois pour quelque chose de très spécifique, mais qui est aussi un principe de retour à l'emploi, c'est quand on se crée son propre emploi. Et donc, il y avait des permanences pour les micro-entreprises, en fait, comment créer sa micro-entreprise, l'auto-entrepreneuriat. Et là, ça avait un succès assez fort de ce point de vue-là. Et puis, le deuxième axe du partenariat, c'est qu'il mettait à disposition une ressource numérique qui n'était qu'accessible que dans les maisons de l'emploi, une ressource qui s'appelait Balise, qui était une ressource de vidéos, de retour d'expérience, justement, de création d'entreprise.
Et donc, la Maison de l'Emploi était très bien là-dessus, c'est qu'elle intervient dans tout ce champ, justement, de l'entreprise, qui est très fort dans les pays anglo-saxons, entre les bibliothèques publiques et le monde de l'entreprise dans les pays anglo-saxons, il y a quelque chose de naturel. En France, c'est assez peu, quand même, évident. Et donc, vraiment, ça, c'était vraiment intéressant. Voilà. Bonjour. Voilà, je voulais poser des questions sur les fonds parascolaires. Parce qu'on sait que si on crée un fonds, c'est quelque chose qui doit tous les ans changer. Alors, est-ce que vous changez tous les ans brevets, les annas brevets, etc. Je voulais savoir comment vous, au niveau des collections, parce qu'il y a des éditeurs, hein, il y a Attier, etc. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue sur quel éditeur vous choisissez, etc., en sachant que... pour avoir vu un peu l'envers du décor au niveau des éditeurs, ils demandent aux étudiants aussi de corriger. Voilà, y a sûrement des éditeurs beaucoup plus fiables que d'autres. Donc voilà, est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue déjà dans vos bibliothèques? Et quel est vraiment le fond? Est-ce que c'est des annas brevets? Est-ce que c'est des annas bac? Est-ce qu'il y a autre chose dans ce fond parascolaire jusqu'au lycée? Voilà. Est-ce que vous mettez, par exemple, tout ce qui est... parce qu'on a aussi des livres dyslexiques, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez aussi dans le fonds parascolaire? Voilà, je voudrais savoir la nature de vos fonds. Merci. Alors, je suis pas spécialiste des fonds et de l'acquisition. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, bien sûr, on renouvelle en fonction de ce qui est le renouvellement de l'édition et des programmes, surtout. Donc, c'est par définition, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la question budgétaire, c'est des fonds qui s'obsolisent à la vitesse extrêmement rapide. D'une part aussi, parce que souvent, on peut écrire dedans, donc ils finissent par être écrits, donc il faut les éliminer. Donc, il y a des questions à la fois matérielles et intellectuelles très fortes. Les collègues qui sont en charge des acquisitions dans ce domaine, évidemment, une attention très particulière sur la pluralité éditoriale et avec le suivi qu'il peut y avoir, c'est-à-dire évidemment de temps en temps il y a un problème avec certains outils, ben, on l'élimine et puis on le remplace par un autre, ça c'est certain. Ça concerne l'ensemble du champ, y compris maintenant, alors on peut discuter de l'intérêt de ça, mais il y a du parascolaire depuis la maternelle jusqu'au lycée. J'ai inclus par contre, avant de répondre sur votre question sur les 10, la question aussi de l'accompagnement à la préparation des concours pour les adultes, parce que ça c'est extrêmement important, avec une attention particulière sur les types de concours que passent les personnes qui sont dans l'environnement de nos médiathèques, notamment les concours de catégorie, par exemple, pour la fonction publique de catégorie C et B, ce qui n'exclut pas, évidemment, des ouvrages concernant les passages des catégories A, mais la typologie sociologique fait qu'effectivement, il y a besoin d'avoir, et de manière très régulière, les outils qui vont bien. Et concernant tous ces dispositifs autour de la dyslexie, dyscalculie, etc., bon, on est un peu en cours de réflexion, on n'est pas encore du tout au bout de tout ça. Ce n'est pas exactement dans ce champ-là, mais ça fait partie de la réflexion parce qu'effectivement, c'est une demande. Mais oui, bien sûr, c'est des fonds très suivis, très renouvelés et diversifiés autant que faire se peut. Pour Bordeaux, je vais peut-être compléter si ça... intéresse. Donc, il y a le service actualité, comme je l'indiquais, là, qui accueillait le service auto-formation, dispose d'un fonds important sur les concours et la scolarité. La politique d'achat, c'est d'acheter les annales, mais aussi tous les guides permettant de préparer, c'est-à-dire tout ce qui permet d'avoir des fiches en fait, de révision. On n'achète pas les manuels scolaires, mais on achète, par exemple, les fiches pour les sciences SVT en terminale, etc., etc. Et pour donner une indication de coût, pour l'ensemble des fonds, alors concours et scolarité, donc examen, on a un budget de 3 600 € sur ce service de la bibliothèque centrale, voilà, qui permet de renouveler une partie des collections. Quant à moi, je dirais exactement la même chose que mes collègues, hein, donc avec un fonds emploi-formation qui porte aussi bien effectivement sur du parascolaire qui débute dès les classes de primaire et qui vont jusqu'au lycée, mais qui s'adresse également via les préparations au concours à des adultes et notamment, comme l'a dit Florence, avec une spécificité par rapport à nos quartiers où sont beaucoup demandées effectivement les préparations pour les concours
de catégorie C, les préparations aussi pour tout ce qui est assistante maternelle, etc. Voilà, donc après, il faut aussi bien sûr les renouveler en fonction de nos budgets, même si ça devient compliqué avec la baisse actuelle du budget. Mais par contre, ce sont des fonds qui ont un taux de rotation très très important, voilà, et qui de toute façon s'abîme au fur et à mesure, et qu'il faut effectivement qu'il faut en dehors de l'effet de caducité, qu'il faut quand même renouveler au vu de leur état par rapport à ce taux de rotation. Bonjour, j'ai une question concernant les accueils. Vous avez parlé à Bonneuil-sur-Mer de 89% des élèves accueillis et toutes les maternelles. Comment vous organisez, enfin c'est pareil un peu pour pleine commune, mais enfin en général, comment vous organisez, c'est-à-dire que vous restez ouvert aux demandes des enseignants et du coup c'est plutôt du pair à pair et ça dépend de l'appétence de l'enseignant, ou c'est systématisé, vous faites des créneaux par rapport, enfin une école peut venir une fois dans l'année, deux fois dans l'année, enfin voilà, pratiquement, comment ça se passe? Alors nous, on a la chance d'être une petite ville, donc du coup on peut répondre à toute la demande, ce qui ne serait pas possible si on était sur une ville de ne serait-ce que de 20 000 habitants. Donc en fait, en début d'année, à la rentrée, il y a une réunion sur le temps du midi avec tous les enseignants où sont présentées toutes les propositions d'activités de la médiathèque et de la ludothèque, puisque la ludothèque accueille aussi bien sûr des classes de maternelle, de primaire et du collège. Voilà, donc après les enseignants s'inscrivent en sachant qu'on arrive à les recevoir, parce que l'idée aussi c'est qu'il y ait quand même une forme de continuité, que ce ne soit pas qu'un one-shot, quatre fois dans l'année. Mais il est vrai que par exemple par rapport au territoire au réseau de lecture publique, nous sommes la médiathèque qui accueillons le plus de scolaires, mais à l'origine, c'est également une orientation municipale, parce que comme le disait Florence, c'est là que se trouvent les enfants, c'est par le biais des enfants qu'on touche les familles, et sinon ils ne viendraient pas forcément d'office, ou en tout cas les familles ne les inscriraient pas d'office. Donc on a tout un travail depuis plus de 20 ans qui s'opère dès la crèche, et qui va, je dirais, jusqu'au collège, parce qu'au niveau du lycée, il n'y a pas de lycée sur la ville de Bonneuil. Voilà. Donc on a entamé quelques actions en direction du lycée, mais elles sont vraiment à la marge, et ce n'est pas quelque chose de régulier et de récurrent. Autant on a nos entrées au niveau du collège, autant c'est beaucoup plus compliqué au niveau du lycée, d'autant qu'il n'est pas sur notre territoire. En ce qui nous concerne, il y a un certain nombre d'orientations. J'ai parlé tout à l'heure des visites découvertes, ça a même fait l'objet d'un carnet de bord, puisqu'en fait on crée des outils internes qui permettent un peu de savoir-faire, d'aider les collègues qui arrivent notamment à se prendre en main un peu ces dispositifs que l'on propose. On avait essayé, alors je parle d'avant Covid, de sanctuariser, on va dire, un certain nombre de créneaux par semaine et par type d'équipement. Alors c'est évidemment, ça a été un peu ébranlé par les changements concernant notamment la question des horaires et les interprétations, on va dire, qui nécessitent des débats avec les équipes sur est-ce qu'on peut recevoir des classes quand les médiathèques sont ouvertes. Évidemment, la configuration des lieux compte beaucoup. L'implication des équipes, la façon justement de partager à l'échelle de l'équipe la question des accueils de classes, ça crée des variables. On avait beaucoup insisté il y a quelques années sur l'idée de privilégier les classes un peu tremplin, c'est-à-dire la fin par exemple de l'élémentaire, le début du collège. Bon, ça c'est dans la théorie, parce qu'il y avait des choses pour étayer ça, en se disant que les enfants étaient plus facilement relais à ce niveau-là que quand ils étaient carrément tout petits. Puisque la visite découverte avec des kikinous, c'est bien, mais ils vont peut-être pas forcément pouvoir raconter quelque chose. Sauf qu'en réalité, il faut s'adapter à l'environnement. D'abord, on a rien qu'à Saint-Denis, je pense qu'une ville de 110 000 habitants, il doit y avoir 70 ou 75 établissements scolaires. Donc de toute façon, le 100%, ça ne peut évidemment pas marcher. Après, il y a une très grande volatilité des enseignants sur notre territoire, je pense que vous le savez. Et donc ça veut dire qu'il faut établir régulièrement de nouvelles relations avec les enseignants, et que parfois on travaille avec des enseignants qu'on connaît déjà depuis longtemps. Ce n'est pas les mêmes enfants, donc ce n'est pas très grave. Donc on s'adapte. Et aussi, on a par exemple beaucoup plus de sollicitations des maternelles que des classes plus âgées, pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des moins bonnes. Donc on essaye de faire des propositions qui permettent de mettre l'axe sur des moments passage, d'où l'intérêt d'avoir des objectifs autour des expositions par exemple, des objectifs autour de cette réflexion sur l'EMI, et puis
bon, de susciter de la part des collègues un encouragement à remplir les créneaux pour que 3-4 par semaine, pour que on y inclure ou pas des fois les centres de loisirs, mais c'est assez compliqué en termes de généralisation sur le réseau des 21 médiathèques, parce qu'en fait il y a des réalités périphériques de l'établissement, là, sa localisation, son implantation, il faut qu'on s'adapte. Voilà, ça n'empêche pas de réaffirmer régulièrement des orientations de fond, de valeur, mais avec des adaptations. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà 12h30. Je vois qu'en régie, on veut aller manger. J'avais prévu un petit mot de conclusion, mais le temps de le faire, il n'y aura plus personne dans la salle, donc ce n'est pas la peine. Je voulais juste vous remercier pour votre attention, remercier les intervenantes et notre intervenant donc, pour ces exposés de qualité qui, je pense, auront pu amener des idées. Et bien sûr, remercier aussi l'équipe de régie pour son travail. Merci et bonne fin de journée.